Bonjour, c'est Pierre de la microbrasserie La Souche. On a aujourd'hui comme invité Marc-Olivier de la microbrasserie Jackalope qu'on a invité dans notre brasserie pour une collaboration suite à une première collaboration qu'on avait déjà faite chez vous. Oui, c'est ça. Ben, l'année dernière, on avait fait un smoothie là, appelé Civil à la microbrasserie qui était là, framboise, fraise, bleuet mûr et crème caramel. Donc, on a eu l'invitation de venir brasser un smoothie style dessert ici. La Smoothie Beach Impérial. Qu'est-ce qu'on a mis dedans, Pierre? Oui, bien, impérial parce qu'on a un petit peu plus torqué l'alcool ce coup-ci. On est plus à 7% au lieu de 4,5. On a décidé d'y aller avec des fruits, donc un renversé à l'ananas. Donc, c'est vraiment ça le concept, un peu comme un dessert de grand-maman ou de belle-maman ou de maman, tout le monde. Je pense que c'est comme un dessert qui est très rassembleur, qui n'a pas de prétention. Puis les ingrédients, c'est assez simple, là. C'est ce qu'on a reproduit là-dedans. Donc, tu nous décris les ingrédients? Ben oui, c'est ça. On a mis de la cassonade, des ananas, des cerises, puis du Mililo. Fait que c'est vraiment là, une bière, un smoothie qui est réconfortant, qui rappelle les desserts que grand-maman nous faisait, comme dans le temps. Fait que c'est ça, le résultat est super intéressant. C'est vraiment super bon. C'est vraiment différent de les smoothies. T'sais, les petits ajouts qu'il y a dedans, ça. On sort de la partie fruits là, qu'on est habituel. On a vraiment le côté dessert. C'est généreux. Oui, vraiment. Puis ça, c'est bien texturé là. Comme smoothie, on sent tout le dessert qui passe jusqu'au ventre. Ça en prend une Cheers. gorgée? Ben oui. Ouais.